amener qui, eux, devaient consoler la famille. Parce que, effectivement, le fait d'être enfant de Dieu, on ne cultive pas réellement. On a une vision très terrestre, en fait, de la marche avec le Seigneur. Pourtant, le but, il est céleste. Et c'est à ça, vraiment, que j'ai à cœur que nous puissions revenir. Je vais présenter une petite vidéo que j'avais vue et qui m'a toujours marqué au début de ma conversion. Bon, elle est un peu longue. Je crois que je vais m'arrêter à un moment donné pour qu'on entre dans le sujet. Alors, j'ai essayé de préparer quelques versets directement là parce que je sais que chacun des versets, il y en a tellement que si je commence à les détailler, chaque verset, c'est un message entier. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, de pouvoir synthétiser pour qu'on ait pour qu'on revienne à l'essentiel. Quand on est focus sur le but final et que nous ne marchions pas en parallèle à ce que Dieu attend de nous. Bon, ça va être un peu choc, un peu brutal, hein, mais c'est la vérité. C'est la vérité de la parole. Et moi, j'ai bien aimé cette vidéo-là qui nous rappelle l'essentiel et qui devrait faire la différence entre nous et ceux qui n'ont pas d'espérance. Voilà. Hop. Ça. Et... Frère, si tu peux mettre un petit peu le son, moi j'ai mis au maximum ici, s'il y en a. Peut-être déplacer ça, si tu peux. Merci beaucoup, mon frère. Passeras-tu l'éternité? Le temps file. Si tu as 60 ans, tu pourrais encore vivre pendant 15 ans. Si tu as 50 ans, peut-être qu'il te reste encore 25 ans. Si tu as 40 ans, il pourrait te rester encore 35 ans. Si tu as 25 ans, il pourrait te rester encore 50 ans. Si tu as 15 ans, il pourrait te rester encore 60 ans. Ces chiffres présument que tu vivras jusqu'à l'âge de 75 ans. Cependant, il y a deux choses à dire là-dessus. Premièrement, il n'y a aucune garantie que tu vivras aussi longtemps que cela. Tu pourrais mourir plus tôt. Si tu as jamais visité un cimetière, tu as dû remarquer qu'il y a des tombes de gens de différentes classes d'âge. Un mois, un an, 5 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans et ainsi de suite. Si tu avais regardé plus attentivement, tu aurais vu qu'il y avait une tombe de quelqu'un qui est mort à ton âge actuel. Tu n'es donc pas trop jeune pour mourir. La mort pourrait venir soudainement. On n'a pas besoin d'un avertissement autre que celui-là. Papa. Tu as été averti. Même si tu es en parfaite santé, il y a plusieurs choses qui pourraient conduire à une mort soudaine. Un accident d'avion. Un
un empoisonnement, une chute, ainsi de suite. Ces choses pourraient amener ta vie à une fin abrupte. Donc, quelle que soit ta jeunesse ou ta bonne santé, cela importe peu. La mort soudaine pourrait te frapper, bien que tu n'aies que 15 ans. Il y a un autre aspect ajouté à cela. Réfléchis un instant. Y a-t-il une maladie dans ton corps? Elle pourrait être une maladie du cœur, du foie, du poumon ou du rein. Tu pourrais en fait être atteint de cancer ou d'une autre maladie fatale, sans que toutefois tu ne puisses en remarquer les symptômes. L'une des maladies que tu as et dont tu es au courant, ou que tu ignores, pourrait accélérer dans son évolution et t'achever en quelques jours ou en quelques heures. Tu pourrais bientôt être face à l'éternité. Cela pourrait se passer plus tôt que tu ne le penses. Deuxièmement, même si tu avais la garantie de vivre jusqu'à 75 ans, combien d'années te reste-t-il? Le temps file. Même si tu penses qu'il te reste encore 50 ans, ces années pourraient passer trop vite. Les années qu'il te reste sont moins nombreuses aujourd'hui qu'hier. Et demain, elles seront encore moins nombreuses. Chaque minute qui passe te rapproche de la mort. Tu es un mourant. Tu commences à mourir le jour de ton premier anniversaire. La Bible dit, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques, chapitre 4, verset 14. Tu devrais prier ainsi avec le psalmiste. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Psaume 39, verset 5 à 6. La mort ne sera pas la fin. Si la vie était brève et incertaine, et la mort la fin de la fin, alors il n'y aurait pas tellement de quoi s'inquiéter. Le problème est que la mort physique n'est pas la fin. La mort est le commencement, la porte d'entrée dans une autre vie. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Apocalypse 20, versets 12 à 13. La mort sera le commencement de l'éternité. Tu continueras à vivre pendant des milliards et des milliards d'années d'éternité après ta mort. Tu pourrais choisir de ne pas croire à la vie après la mort. Mais lorsque tu y seras, tu en seras un fervent croyant. Mais il sera trop tard pour faire quelque chose là-dessus. Dieu est destiné t'attendre à la mort. Tous les êtres humains passeront l'éternité dans l'un ou l'autre des deux endroits. Ils la passeront soit dans le lac de feu, l'enfer, soit au ciel. À propos du lac de feu, la Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers,
les fornicateurs, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. Ceux qui iront dans le lac de feu y resteront pour toujours. Satan sera le Seigneur et le roi de l'enfer. Ceux qui le servent d'une manière ou d'une autre maintenant, ils seront avec lui pour toujours. La Bible dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où seront la peste et le pauvre. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20 dit. La Bible ajoute, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Je vais arrêter là. Excusez-moi, j'essaie de le mettre là-bas. Ok, merci. Alors, d'après ce qu'on a vu dans la vidéo, ça nous rappelle en fait à tous les êtres humains, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit musulman, qu'on soit, peu importe, on prend quelqu'un dans la rue, on le ramène ici, ce message va le concerner. Parce que tous les êtres humains, un jour ou l'autre, nous aurons rendez-vous, ce rendez-vous-là. C'est un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Plutôt que de mettre la tête dans le sable et dire tout va bien, il vaut mieux s'y préparer. Parce que même si on fait du lifting, on fait tout ce qu'on veut, un jour ou l'autre, nous serons face à l'éternité. Et c'est un message qui est individuel, comme on le sait, on va l'affronter tout seul. Donc c'est important de prendre le temps de s'asseoir là-dessus. Et toute la parole de Dieu nous parle de ça. Les semaines d'avant, les frères vous ont parlé du mariage. Là, le mariage que nous vivons sur la terre n'est que
comment dire, la préfiguration du mariage final qui est celle dans le ciel avec Christ, si jamais nous y avons part. Amen. Donc, ce rendez-vous-là va arriver. Avant de parler de ça, on va prendre simplement quelques versets. Bon, il a cité dans la parole de Dieu. Donc, voici. Peut-être certains vont m'aider à lire parce qu'il y en a trop de versets. Ce message, c'est je prie que le Seigneur m'aide à ne jamais oublier pour moi-même. Parce que la vie est tellement, on est tellement sollicité dans nos pensées que l'essentiel, en fait, de ce pourquoi nous sommes sur la terre, nous passons très vite à côté et nous oublions. Mais un jour ou l'autre, nous serons face à cette réalité-là. Donc, voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Donc, et ma vie est comme un rien devant toi. En fait, ce verset nous rappelle simplement que notre vie, elle est éphémère. Je pense que nous connaissons tous dans notre entourage des gens qui étaient peut-être en parfaite santé et qui, du jour au lendemain, le Seigneur a étendu sa main et l'a pris. Ce n'est pas parce qu'on est jeune, parce qu'on est en bonne santé, qu'on va rester là, vitam aeternam. Et même si on restait, comme le frère le rappelle, à un moment donné, le Seigneur va sectionner et puis on sera face à lui, face à l'éternité, face à notre vie que nous avons vécue sur la terre. Et c'est important, enfin ce n'est même pas important, c'est un bien faible mot, c'est fondamental de pouvoir s'y préparer. Donc, l'origine de la mort, on la connaît. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, nous savons que dans le jardin d'Éden, le Seigneur a demandé, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal devant Adam. Il lui a dit, le jour où tu vas toucher à cet arbre-là, tu mourras. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, et seulement le Seigneur n'a pas fait de nous des robots. Donc, il veut que notre adhésion, en fait, soit libre. Le Seigneur ne force personne. Je pense qu'on n'a pas forcé quelqu'un à être là où nous sommes. Et on ne peut pas tromper Dieu non plus. Si nous avons laissé ce que nous étions et que nous avons décidé de venir à Christ, c'est qu'on sait ce qu'on recherche. Normalement, on doit savoir ce qu'on recherche. Donc, et c'est important. Voilà, donc Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal et la mort est rentrée d'abord dans le corps. Mais ils ne sont pas morts le jour où ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé immédiatement. Alors, donc, ce qui s'est passé, nous le savons. Je ne vais pas lire tous les versets. Hein. Je dis en passant les versets, si c'est des versets qu'on connaît. Donc, les yeux de Adam et Ève se sont ouverts et ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Et il y a eu un comportement qu'ils ont eu vis-à-vis du Seigneur. C'est que lorsqu'ils ont entendu la voix du Seigneur qui parcourait le jardin, ils se sont cachés. Ça, c'est l'effet que le péché a eu immédiatement. Ça, c'est la première mort, en fait. C'est la mort qui survient immédiatement. La première mort dont le Seigneur parlait, c'est la rupture, la séparation avec Dieu. Lorsque le péché arrive, on est séparé de Dieu. Et vraiment, c'est ça qui manifeste une conversion authentique. Quand j'entendais le témoignage de la sœur qui disait « J'ai fui les frères et sœurs », ça veut dire que tu étais réellement converti. Parce qu'il y en a qui sont dans l'assemblée, qui vivent dans le péché, mais pourtant, ils sont là. Ils vivent, ils chantent des cantiques, ainsi de suite. Ils vivent dans le péché, ils ne sont pas dérangés. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont jamais rencontré Christ. Si on rencontre réellement le Seigneur, comme Adam avait une communion intime, quotidienne avec le Seigneur, une fois qu'il y a le péché, tout de suite, on ne peut plus supporter la présence de Dieu. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a l'Esprit de Dieu qui nous parle et qui nous dit, là, tu n'es pas à ta place. Là, en fait, tu es un hypocrite et tu te mens à toi-même. Ça, c'est un test que nous connaissons réellement le Seigneur. Alors, c'est de là, donc la suite du verset nous dit qu'ils ont entendu la voix du Seigneur. Voilà, donc on peut le retrouver encore tout à l'heure, on le citait dans la prière. Le fils prodigue qui était parti et qui est revenu. Donc, en fait, le père dit ici, quand le fils prodigue revient, « Car mon fils que voici » était mort, c'est-à-dire qu'il était séparé de moi. Voilà. Donc, et il est revenu à la vie parce qu'il est revenu à mon contact.
La mort spirituelle, c'est la première chose. La première conséquence du péché, c'est la séparation d'avec Dieu. La mort spirituelle. Et ensuite, maintenant, il y a la mort du corps physique que nous voyons également, qui arrive. Voilà. Il était perdu et il est revenu à la vie. Donc, ensuite, maintenant, voilà, la mort est entrée par Adam, on le sait, et ça s'est transmis à tous les hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans le péché. C'est la nature de l'homme lorsqu'il arrive sur la terre. Lorsque vous voyez un enfant, l'enfant commence à faire des bêtises. Si on le surprend en train de faire les bêtises, ah, tu es en train de faire, bon, non, il va mentir. Il ment, personne ne lui a appris à mentir. Ça montre que dans sa nature même est pécheresse. Et c'est ça que Christ est venu pour détruire à la croix. Donc, voilà comment, justement, le péché se transmet à l'homme. Il y a un verset qui le dit hein, dans Romains, chapitre 5, verset 12. Le péché s'est transmis de Adam et Ève, de parent en fils, jusqu'à ce que c'est venu habiter en nous aujourd'hui. Et la conséquence de ça, c'est que l'être humain, il naît, il est séparé de Dieu. Il naît avec le dos tourné à Dieu. Et lorsqu'il rencontre Christ, il se retourne pour aller vers Dieu. C'est ça la vraie conversion. C'est que j'avais le dos tourné et maintenant, je me détourne de ma vie ancienne pour me tourner vers Dieu. Voilà la conversion. Je viens vers le Seigneur. Donc, voilà. Maintenant, nous allons prendre la partie de la mort physique, la mort spirituelle. On en parle régulièrement. On va parler un peu de l'aspect visuel, l'aspect de ce que nous, on voit avec nos yeux. Parce que c'est un point sur lequel, malheureusement, l'être humain est démuni. Lorsqu'on voit la mort, on a quelqu'un qui est mort là, on est dans tous nos états, on est dans l'émotion, ainsi de suite. Bon, malheureusement, souvent, même les enfants de Dieu, qui ont pourtant la parole de Dieu, sont aussi démunis face à la mort. Pourtant, le Seigneur nous a donné une espérance réelle, une espérance vivante. Comme l'apôtre Paul dit, quand il parle de l'enlèvement, il dit « consolez-vous avec ces paroles ». C'est-à-dire que l'enfant de Dieu devrait avoir une connaissance de ces choses-là parce qu'il vit quotidiennement déjà, un, en sachant que ça va arriver, et puis de deux, en fait, en sachant ce qu'il y a après. Parce que ce qui fait peur aux êtres humains, c'est que quand on est face au tombeau, face au trou, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Pourtant, le Seigneur nous a donné des versets vrais. C'est-à-dire que quand on traverse ces situations-là, c'est ça qui nous porte, qui nous garde et qui nous donne la force de pouvoir encourager ceux qui sont autour de nous, qui sont peinés, qui sont démunis, qui sont désarmés, qui n'ont plus de mots devant cette situation-là. Donc malheureusement, soit les enfants de Dieu, bon, on arrive, on pleure seulement et puis c'est fini. On n'a pas la ressource qui malheureusement est dans la parole. Le Seigneur nous a tout donné par rapport à cela pour que nous puissions, nous-mêmes étant consolés, apporter cette consolation-là aux autres. Donc vraiment, ce sont ces versets-là. On va revenir dessus et ça, en fait, ça va nous permettre non seulement de faire ce travail parce que ce que je recevais dans mon cœur, c'était de partager là-dessus, mais le Seigneur m'a amené beaucoup plus loin par rapport à ce qu'il faut apporter pour que l'Église se recentre vraiment sur l'essentiel. Pourquoi je suis un enfant de Dieu? Où est-ce que je vais? Comment est-ce que je dois me préparer à pouvoir y aller? C'est central. Parce que si je perds, en fait, les repères, en fait, j'avance comme ça, je vis finalement comme celui qui est dehors, qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas ce qu'il attend, qui arrive aussi surpris que si on n'avait pas connu Christ. Voilà. Donc, qu'arrive-t-il après la mort physique? Il y a déjà un premier verset dans la parole de Dieu qui était cité déjà hein, par Moïse. Alors, c'est rappelé hein, dans Luc... chapitre 20, au verset 37 à 38, que les morts ressuscitent. Ce sont les Sadducéens qui sont venus poser des peaux de banane à Jésus. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse n'a pas vécu avec Abraham, ils étaient morts déjà il y a longtemps, mais il cite Dieu comme étant le Dieu
de ces bien-aimés-là, Abraham, Isaac et Jacob, sachant qu'eux, ils sont déjà partis. Et c'est dit ici, « Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, pour Dieu, tous sont vivants. » Ça, c'est une espérance déjà. Il y a des personnes, Abraham, Isaac et Jacob, qui sont décédés, mais pour Dieu, ils sont vivants. Ça veut dire qu'il y a quelque chose après. Après le tombeau, il y a quelque chose. Ça ne se limite pas à l'inhumation d'Abraham, Isaac et Jacob. Tout est fini, il n'y a plus rien. Non. Pour Dieu, ils sont toujours vivants. Donc, il ne faudrait pas que nous nous arrêtions à ce que nos yeux voient ici sur la terre. Parce que la Bible nous dit déjà dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 23, que l'être humain, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. C'est simplement le corps physique qui part, qui meurt, qu'on met dans la terre. Mais les deux autres-là, eux, ils existent toujours. Et c'est ça, le vrai nous-mêmes. Le vrai nous-mêmes, ce n'est pas ce que vous voyez là de moi. C'est l'âme et l'esprit. C'est ça, le vrai nous-mêmes. Et c'est ça qui vit éternellement. Et c'est là-dessus que nous devons travailler. Parce que nous, souvent, nous, c'est plus ce que nous voyons. Nous entretenons. Ce n'est pas mauvais d'entretenir le corps. Hein. C'est le temple du Saint-Esprit. Mais c'est l'homme intérieur. C'est lui qui va rencontrer Christ. C'est lui qui sera au contact de l'éternité. Donc, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, il y a un passage de la Bible également, qui, c'est le passage de la Transfiguration, où Jésus est parti sur la montagne avec Jacques, Pierre et puis Jean, et puis il s'est transfiguré. Et ce passage-là nous plonge... nous donne une vision du ciel en étant sur la terre. Parce que Jean, Pierre et Jacques nous disent ce qu'ils ont vu. Regardons le verset, le passage. Environ 8 jours après qu'il ait dit ces paroles, Jésus prit Pierre, Jean, Jacques et monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, vous voyez, il est dans la connexion avec le Père pendant qu'il priait. L'aspect de son visage changeait. Il passe de la terre dans un autre monde. Maintenant, c'est celui qui nous attend. Pendant la prière. Nous prions en esprit et en vérité. Nous louons en esprit et en vérité. Lorsque nous sommes en train de louer le Seigneur, en fait, pour Dieu, nous sommes dans sa présence. Ce n'est pas le « nous » qui sommes ici. C'est celui qui est assis avec Christ dans les lieux célestes, notre esprit. Il est devant Christ en train de le louer. Et c'est un aspect, c'est une vision qu'on perd souvent. Lorsque nous sommes là, on pense que c'est ce qui se passe ici. Non. C'est l'homme intérieur qui est dans la présence de Dieu en train de le louer. Sinon, c'est une adoration charnelle. Sinon, c'est une prière selon la terre. Déjà, quand on a cette perception des choses-là, la nature de nos prières change. La nature de notre offrande au Seigneur devient différente. Ésaïe, lorsqu'il a eu la vision, dans Ésaïe 6, où il a vu le trône de Dieu, la première chose, quand il a vu tout ce qui se passait dans le ciel, il dit, « Oh Seigneur, je suis pécheur. Ma bouche n'est pas digne de pouvoir parler. » Et là, c'est là où un ange est venu toucher cette bouche-là et a purifié la bouche d'Ésaïe pour qu'il puisse parler. C'est ça la présence de Dieu. Et c'est la réalité de ce qui se passe. Quand le Seigneur dit, là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux, c'est ça qui se passe. C'est ça la vérité. Donc, Jésus était en train de prier, son visage changea et ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante. Passe dans la pureté. C'est ça l'image qu'il y a derrière. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie. C'est Pierre, Jean et Jacques qui sont en train de nous raconter ce qu'ils ont vécu. Est-ce qu'ils connaissent Moïse? Est-ce qu'ils connaissent Élie? À part ce qu'on a écrit d'eux. Comment arrivent-ils à reconnaître que ça c'est Moïse, ça c'est Élie? Voilà ce que Dieu, Jésus, a permis ici,
que Jean, Pierre et Jacques puissent discerner ce qui se passe dans le ciel, savoir qu'il y a quelque chose après, et puis ils arrivent à reconnaître les visages de Élie, Jean, de Élie et puis de Moïse. C'est ça, c'est une réalité encore qui nous montre que l'au-delà, c'est une vérité, ça existe vraiment, d'après la parole de Dieu. Alors, qui apparaissent dans la gloire. Ils sont dans la gloire avec le Père. Pourtant, leur corps est enterré. Ils sont décédés, enterrés. Ça fait, Élie est monté dans la présence de Dieu. Mais ils ne sont plus de ce monde-ci. Mais le Seigneur permet que certains qui sont dans le monde voient comment est-ce que ces deux-là sont dans la gloire et ce qu'ils font. Alors, donc, qui apparaissent dans la gloire parlait de son départ. Jésus parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons une tente, une pour Moïse. » Donc, ça veut dire que Pierre sait que c'est Moïse. Pourtant, il n'a jamais vu, Moïse n'avait pas un Facebook ou un compte Instagram ou je ne sais pas quoi pour qu'il aille voir le visage. Il ne savait pas. Donc, c'est l'esprit qui lui révèle que ça, c'est Moïse. Ça doit être un sujet d'encouragement pour nous. Dans le ciel, tu vas reconnaître Papa John. Amen. Oui, mais on a des versets qui nous le disent. Tu vas reconnaître par l'esprit que, bien sûr, tu n'auras pas la relation de papa, de mari, tout ça, mais tu vas reconnaître que ça, c'est lui. Et ça va te mettre dans la joie. Il y a des petits passages comme ça, on va dire, dans la parole de Dieu, qui nous ouvrent l'esprit sur quelque chose que les païens ne connaissent pas. Mais ça, c'est fort. C'est fort quelque chose. Ça doit vraiment nous encourager, nous porter. Nous dire que la séparation physique, là, ce n'est pas la fin. Ça ne se limite pas là. Donc, voilà, ici, il dit que nous construisions une tente. La tente, quand on voit dans le monde physique, là, la tente, c'est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose qu'on met là momentanément. Là, on est à l'échelle de l'éternité. On n'est pas dans le temporaire. C'est pour ça que Jésus dit non, laisse l'affaire de tente là. Ils n'avaient pas compris ce qu'ils avaient vu à ce moment-là. Poursuivons. Parole d'encouragement. Comme il parlait ainsi, une nuée est venue dérober et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée et sortis d'une voix et Dieu confirme que c'est lui qui a réalisé cela. Donc ça, c'est une première certitude. C'est qu'il y a quelque chose après, et là-bas, on va reconnaître des personnes. Je pense que chacun de nous, dans la Bible, nous avons des personnages que nous aimerions reconnaître dans le ciel. Et ça doit être un sujet d'encouragement. Il y a même peut-être des questions qu'on veut leur poser. Et ça doit nous encourager. Par rapport à cette soif-là, toutes les difficultés, c'est là justement que ces difficultés-là, on les voit comme petites par rapport à la gloire qui doit venir. Et ça nous fortifie, ça nous encourage à pouvoir persévérer, à pouvoir nous accrocher, à pouvoir délaisser tout ce qui peut nous retenir et nous conduire à rater, en fait, ce rendez-vous-là. Pardon. Merci, frère. Alors, donc, poursuivons. Je vous laisse noter les versets, hein, si certains veulent les lire jusqu'à la fin. Bon. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut remarquer ici. Jean, Jacques et Pierre ont certes reconnu Moïse, ils ont reconnu Élie, Jésus qui est Dieu, qui peut être à la fois ici et dans le ciel avec ceux qui sont là-bas, est en train de s'entretenir avec eux. Mais jamais Élie et Moïse ne sont venus parler à Jean, Pierre, Jacques. Attention. Est-ce qu'on voit?
ils ne sont pas venus leur parler. Attention, dans mes rêves, j'ai vu mon grand-père qui était décédé, qui est venu me dire ceci, mensonge. C'est un esprit. Ce n'est pas le mort qui est parti qui vient parler. La parole de Dieu nous le montre. Il n'y a pas cette communication entre les morts qui sont partis là et ceux qui sont vivants. C'est ces deux mondes qui sont séparés totalement. Si Dieu veut nous parler, il peut nous parler par les six conseils, il peut nous parler, il nous parle déjà par sa parole, par son esprit. Il peut envoyer des anges nous parler. Les anges, eux, ils n'ont pas vécu sur la terre. Mais les morts ne viendront jamais, je prie Saint-Marie, Saint-Ceci, de venir me faire ceci. Non, 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 ça, ce n'est pas biblique, ça. Les morts, Dieu peut, comme on le voit, il peut faire qu'on ait un songe pour voir une autre personne qui est partie dans l'au-delà, ça peut arriver. Mais il ne va pas communiquer avec nous. C'est séparé, c'est fini. Je ne sais même pas s'il y a la conscience que les autres les voient. Donc, voilà, il n'y a pas de communication entre les morts et les vivants. Il y a un qui a essayé ça dans la parole de Dieu. On le sait, c'est Saül. Saül a essayé d'aller, parce qu'il était confronté à une situation compliquée, d'aller consulter. Aujourd'hui, on appelle ça une chiromancienne qui a fait revenir Samuel. Ce juste pourquoi je nous fais lire, je nous laisse, hein, nous allons lire dans les détails. Il y a quelque chose que Samuel va lui dire quand il va revenir, et ça doit nous avertir. Ça doit nous prévenir par rapport à ces liens que nous pouvons vouloir entretenir, parce que nous avons tellement aimé les personnes qui sont parties que nous voulons garder ce lien, on peut garder le souvenir, ainsi de suite. Mais la communication, ça viendra lorsque nous-mêmes, nous allons les rejoindre là-bas. Donc ici, Saül, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, ainsi de suite. Donc, j'irai la consulter, ses serviteurs lui dire, voici Andor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa. Donc, il se cache déjà pour aller faire ça parce que lui-même, en tant que roi, avait interdit, et c'est la parole de Dieu. Donc, il prit d'autres vêtements et partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Donc, il y a quelque chose à cacher. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Ça existe dans la vraie vie. Hein. Les chiromanciens font des choses comme ça. Ce sont des démons qui mentent et qui disent des choses. Avec un esprit de Python, on l'a vu dans la parole de Dieu. L'esprit de Python peut dire la vérité. Hein. Dans le livre des Actes, la femme qui suivait Paul et Luc qui prêchait l'évangile disait la vérité. Et elle procurait un grand bien, mais ça ne venait pas de Dieu. Alors, donc, la femme répondit, voici, tu sais que Saül, bon voilà, elle dit que Saül a interdit. La femme, ensuite je lis un peu vite, hein. Donc la femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Satan est capable de faire des choses comme ça. Donc, ça veut dire que dans un songe aussi, Satan est capable de nous envoyer des songes où nous voyons nos personnes qui sont parties nous parler. Ça nous rappelle ça. Alors, il faut que nous fassions attention. Moi, j'ai vécu ça. Hein. J'ai vu ma maman qui est partie plusieurs fois en rêve, qui essayait de venir me parler, mais même dans le sommeil, prier avec autorité, j'ai vu les démons se manifester. La vérité. J'étais allé prêcher un message, c'est le frère d'ailleurs qui m'avait invité chez la sœur Kumpi. Je suis rentré, après avoir prêché le message, je suis en train de dormir, je vois ma maman. Je suis dans un rêve où ma maman, elle me demande des médicaments, tout ça, je lui donne. Après, on s'assoit à table, on est en train de manger, il y a mon papa, tout ça et tout. Elle n'avait pas d'appétit. Je suis là, je suis assis, j'observe. Après, elle se lève pour aller aux toilettes. À cet instant, dans le songe, il y a quelque chose qui me revient, mais ma maman est décédée, elle est partie déjà. Je dis à mon papa, viens, tu vas voir quelque chose. On va, je commence à prier en m'approchant de celle qui avait la silhouette de ma maman, le visage change, ça se décompose et un démon se manifeste. Ce sont les attaques de l'ennemi dans le sommeil. Mais quand on est avisé par rapport à ces choses-là, on ne laisse pas de chemin à ça. Pas du tout. Tu rêves d'un mort, s'il est entré en communion avec toi, il faut prier pour chasser l'esprit de mort. Il ne faut pas communier avec ça. Ce sont des séductions de l'ennemi pour venir nous parler, pour venir nous dire des choses, pour venir nous sortir du chemin du Seigneur. Alors que le Seigneur a des choses glorieuses pour nous. Donc, qui veux-tu que je fasse? Il dit, fais-moi monter Samuel. Donc, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Donc, elle était étonnée. Elle a l'habitude de faire monter les démons, mais cette fois-là, ce qu'elle voit,
Donc, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Donc, le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit, bon, voilà, bon, elle voit Samuel qui monte ainsi de suite. Il y a juste une chose que je veux nous faire lire là-dedans. Donc, il discute, il pose ses questions et tout. Et verset 16, Samuel lui dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi, l'Éternel? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté entre tes mains et l'a donné à un autre, David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. Tu n'as point fait sentir Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Voici maintenant la portion que je voulais que nous lisions. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Il est allé chercher à parler à un mort. Et ce que le mort lui annonce, c'est que toi-même, tu vas mourir également. C'est un avertissement du Seigneur par rapport à ça. Donc, il y a un verset dans Deutéronome qui le dit clairement. Voilà. D'ailleurs, le verset de Chronique nous dit pourquoi Saül est mort. Il a été frappé de mort parce qu'il allait consulter les morts en dehors de sa désobéissance. Voilà. Dans verset 14, il ne consulta point l'Éternel. L'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David. Voilà. Donc, c'est ça. Saül mourit parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel et donc il n'observa point la parole et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Voilà. La raison pour laquelle Saül est parti. Donc, soyons dans la joie par rapport à ça, mais faisons attention dans ces liens-là. Donc, qu'on ne trouve pas chez toi, dans Deutéronome 18, qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, la crémation, tout ça, ça, c'est pas de Dieu, toutes ces choses-là. Il a dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc, les astrologues, les augures, les magiciens, tout ça, je pense que normalement, en Christ, on a plus affaire à ces choses-là. Car quiconque fait ces choses-là est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, a chassé ces nations de devant toi. Donc, ça c'est dit, ça c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui arrive après la mort? Donc ça, on a déjà eu une première espérance, mais avec les avertissements du Seigneur par rapport à cela. Il y a deux chemins qui se présentent à nous. Le frère a cité le verset. Deux chemins sont possibles après la mort. Nous le savons, mais la parole de Dieu nous le rappelle encore. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, c'est immédiatement, dès que la personne part, que cette séparation-là, elle est faite. Immédiatement là, dès que nous voyons la voiture bousculer quelqu'un, il part. Là, il y a le jugement de Dieu qui est prononcé. La personne qui part prend le chemin pour lequel elle a vécu sur la terre. C'est pour cette raison-là que je disais, ne perdons pas la réalité de ce pourquoi nous sommes là. Parce que Dieu nous a laissés normalement sur la terre pour nous préparer à le rencontrer. Donc, si nous avons mis notre énergie dans les choses qui vont être consumées par le feu, voilà. Donc, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent pas en ta fidélité. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent pas en ta fidélité. Ça veut dire que la grâce de Dieu est terminée quand la mort arrive. Il n'y a plus la fidélité de Dieu. Le jugement est prononcé, la séparation est claire. Si on a Christ et qu'on a vécu dans la vérité avec Christ, on va prendre un chemin. Et si on ne l'a pas, on va prendre un autre chemin. Et ça, ça doit nous encourager, ça doit nous presser encore par rapport à ceux qui sont autour de nous. Parce que souvent, ça également, on l'oublie. Donc, on va prendre un autre passage dans la parole qui nous montre aussi justement cette séparation-là qui se fait immédiatement après la mort physique. C'est Jésus même qui parle de ça.
C'est solennel. Certains disent, les témoins de Jéhovah nous disent que l'enfer n'existe pas, toutes ces choses-là. C'est Jésus même qui a parlé de ça, en donnant les noms. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, on voit la notion de là où le cœur est porté, la notion de là où les, ce pourquoi nous vivons. Ce pourquoi nous sommes là, à quoi est-ce que notre cœur est attaché? Que, sur le trône de notre cœur, qui règne? Est-ce Christ? Est-ce le monde? Est-ce les amis? Est-ce... Voilà. Donc, c'est chaque jour qu'il menait une vie joyeuse et brillante. Donc, la sœur parlait de la carrière. Il était intéressé par sa vie brillante, sa richesse, ainsi de suite. C'est là où son cœur, sa pensée s'adonnait pour préparer la croissance de ces biens matériels-là. Le Seigneur dit à quelqu'un, tout ce que tu es en train d'engranger dans tes greniers, si je te reprends ton souffle cette nuit, qui va l'utiliser? Nous engrangeons beaucoup de choses. Nous courons après beaucoup de choses. Nous sommes peut-être jeunes, hein, mais nous avons compris. Nous connaissons des jeunes qui avaient peut-être moins que nous, que Dieu a pris. C'est quelque chose qui peut arriver. Et un autre va utiliser ça. Ça, c'est la réalité, hein, de la parole de Dieu. Et l'homme oublie vite ça. Donc, il était vêtu dans un pauvre nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, il était malade, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient pour lécher ses ulcères. On a une situation de souffrance, on a une situation d'opulence. Donc, ça, ça peut nous montrer que la souffrance aussi peut rapprocher de Dieu. L'opulence peut éloigner aussi de Dieu. Ce n'est pas un péché d'être dans l'opulence. Si Dieu nous a bénis, gloire au Seigneur, mais utilisons ça pour nous rapprocher davantage de Dieu. Abraham, dans certains milieux où on prêche la prospérité, on prend les versets, on dit qu'Abraham était riche, ce n'est pas faux. Mais avant qu'Abraham ne soit riche, regardons par où il est passé. Il était prêt à donner Isaac à Dieu. Il était prêt à donner ce qu'il avait de plus précieux à Dieu, dont la richesse n'était rien pour lui. Il était détaché de cela. Et ça, ce sont des aspects qu'on ne nous présente pas dans la plupart des cas. Ce n'est pas Abraham était riche comme ça, parce que c'est... Non, le cœur était déjà détaché de ces choses-là, dont la richesse n'était pas une pierre d'achoppement pour Abraham. Donc, le pauvre mourut aussi. Regardons, les deux viennent de mourir. Et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est une révélation qui dépasse l'entendement et qui doit nous encourager. Le pauvre mourut, tu es en Christ. Les anges viennent te porter pour t'amener dans la présence de Dieu. Mais c'est extraordinaire. Les anges sont venus, ce n'est pas le corps physique que l'on voit qui a été porté comme ça. Ce n'est pas le corps physique. Le corps physique est resté là. Je ne sais même pas s'il a été enseveli. La Bible ne nous dit pas. Mais le corps est resté là. Par contre, le vrai Lazare a été porté dans la présence de Dieu. Celui qui avait cette espérance-là dans le Seigneur. Celui qui vivait pour son Seigneur. C'est lui qui a été porté là-bas. Donc, ensuite, maintenant, la Bible nous dit, le riche mourut aussi et fut enseveli. Donc, le corps a été mis dans la terre. Et la Bible nous dit, dans le séjour des morts, le riche, il leva les yeux. Il y a quelque chose après. Après le tombeau, il y a quelque chose. Ça, c'est la vérité. Et nous serons chacun seul face à cette réalité. Notre vie sera en face de nous. La réalité de ce que nous avons vécu avec Christ, ou pas, nous serons confrontés à cette réalité-là. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. N'est-ce pas ses yeux qui sont fermés parce qu'il était mort? De quels yeux nous parle-t-on encore ici? Le vrai nous-mêmes qui est à l'intérieur va continuer à vivre avec des yeux. C'est ce que la Bible nous dit là. Et tandis qu'il était en proie au tourment, donc il a un corps à l'intérieur, le corps que nous ne voyons pas, qui peut sentir la souffrance des tourments.
Il y a des gens qui disent, bon, moi je vais me faire incinérer, comme ça mon corps va être grillé et puis les choses sont finies. Mais ça, c'est une illusion. Parce qu'on marche par la vue, on pense que nous-mêmes, c'est l'enveloppe charnelle que nous voyons là. L'enveloppe charnelle, ce n'est rien. La vraie personne, que tu sois incinéré, que tu meurs dans un accident d'avion, au milieu de la mer, n'importe où tu veux, le vrai toi-même a ce rendez-vous-là. Il a des yeux, il peut ressentir des tourments, il vit de loin qui Abraham. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont vécu à l'époque d'Abraham. Encore, tout à l'heure, on a dit qu'on reconnaît des personnes. La personne qui est déchue ici, là, qui se retrouve dans le séjour des morts, reconnaît Abraham. Et Lazare. Lazare, il a vécu par contre avec Lazare et il le reconnaît. Ça, ce sont des révélations importantes dans son sein. Il cria, donc il a une voix pour parler. Parce qu'on pense que quand on meurt, c'est l'anéantissement de tout, on ne se souvient plus de rien. Regardons ce que le Seigneur Jésus nous dit. Il cria, Père Abraham. Donc, ça nous révèle, quand il parle de Père Abraham, c'est un juif même, en plus. C'est un israélite. Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Donc, Lazare a un doigt après la mort. Il a un doigt. Il a un vrai corps que Dieu seul sait. Dieu seul sait comment c'est pas le corps glorifié, on le sait, mais Dieu seul sait comment est ce corps-là. Qu'il trempe son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse. Est-ce que quelqu'un qui a un corps qui est mort, qu'on a enterré là, il a plus soif, il a plus faim, il a plus toutes ces choses-là. Mais ici, la vraie personne, le vrai riche là, lui-même, son intérieur l'a continué à vivre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Et il a même soif. Il a une langue, il a un corps, il a des besoins que l'on peut retrouver ici. Il ressent la chaleur, le tourment, et ainsi de suite. Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Il a une langue, en tout cas, la parole de Dieu, parce que je souffre cruellement. C'est une réalité. Cette souffrance-là est réelle. Qu'on ne nous mente pas, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a rien, c'est fini après le tombeau, ce n'est pas vrai. L'histoire que Jésus nous raconte là tranche avec ça. Nous pouvons voir aussi, on nous parle du purgatoire, on voit, il n'y a pas de purgatoire là. Il n'y a pas de purgatoire. C'est après la mort, ou bien on est porté vers le Seigneur, il parle du Saint d'Abraham, ou bien c'est le séjour des morts qui est la salle d'attente. Là, on a lu le verset tout à l'heure qui disait que la fidélité de Dieu s'est arrêtée à ce moment-là. Donc, c'est pendant qu'on est vivant. Bon, il a essayé de demander qu'on lui rafraîchisse la langue. Abraham lui répondit. Donc, Abraham peut communiquer, peut parler, alors qu'Abraham est censé être mort déjà. Donc, on voit que la vie continue. Donc, mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens. Donc, il peut se rappeler de ce qui se passe sur la terre, de ce qu'il a vécu. On pense que c'est fini comme ça, Dieu ne s'en rappelle pas, ainsi de suite. Ce qui n'est pas confessé, c'est réel, ça revient là. Souviens-toi, donc il peut s'en rappeler après la tombe. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, que Lazare, dont il peut reconnaître Lazare, on l'a déjà dit, eut des maux pendant la sienne. Ce n'est pas parce que l'un était riche et l'autre était pauvre que ça se passe là. C'est que l'un a vécu pour sa richesse et l'autre s'est confié en Dieu. Maintenant, ici, il est consolé. Ça, c'est une parole d'encouragement. Nos bien-aimés qui ont été là, qui ont souffert, sont consolés dans la présence de Dieu. Ils sont dans le repos du Seigneur. Et ça, ce n'est que la chose que nous pouvons désirer pour nos familles, pour nos frères, pour nos sœurs, ainsi de suite. Pourquoi gardons-nous la bonne nouvelle pour nous? Regardons donc ce que le riche va faire ici. D'ailleurs, il y a entre nous un grand abîme. Si le purgatoire existait, on pourrait franchir cet abîme-là. C'est ça, hein, ça détruit totalement l'idée qu'il y ait quelque chose qui puisse encore permettre, à force de prier pour les morts, ils vont changer d'endroit. Non, il y a entre nous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit,
Je te prie donc, il a compris que là maintenant, la sentence est définitive. Ça ne va plus changer. Le frère parlait de milliards d'années, ça ne change plus. C'est fini, c'est la fin. Alors, il dit ici, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Là, il se souvient maintenant qu'il a des frères. Quand il était riche, pourquoi il ne se souvenait pas de ses frères? Quand il était sur la terre avec tous ses biens. Il veut maintenant, il devient un évangéliste, mais ce n'est pas le bon endroit pour être un évangéliste. Il faut l'être quand nous sommes ici, là, sur la terre. Quand nous voyons une personne en face de nous, souvenons-nous du texte ici. Là. C'est quelqu'un qui peut aller là-bas. C'est quelqu'un qui peut se retrouver là-bas. Donc, qui leur atteste ces choses? On connaît l'histoire. Abraham va dire, non, ce n'est pas possible. Ils ont Moïse et les prophètes. Ça veut dire qu'il y a la parole de Dieu. Elle est suffisante pour que quelqu'un vienne à Christ. Il n'y a pas besoin que quelqu'un revienne du séjour des morts pour parler. Non, il n'y a pas besoin de ça. Ah, j'ai eu une mort imminente, je suis parti en enfer, j'ai vu ceci. Ça, c'est pas l'homme n'a pas besoin forcément de cela. La parole de Dieu doit être suffisante pour amener l'homme à la conversion. Dans les passages, nous les connaissons. Au moment de la mort, il y a un déménagement qui s'opère. Le vrai nous-mêmes, il sort, il va dans la présence de Dieu, ce pourquoi nous l'avons nourri. Soit il va vers le Seigneur, soit il descend dans le séjour des morts, comme on a vu. Donc, l'esprit ou l'âme va sortir de nous et le corps va pourrir dans la terre, tel que la parole de Dieu le dit. Donc, et l'apôtre Paul parle d'une tente céleste. C'est-à-dire que si le corps se détruit ici, il y a une tente céleste qui l'attend. Il y a le vrai nous-mêmes qui est dans le ciel, ce pourquoi nous devons vivre. Celle qui est une demeure éternelle pour laquelle c'est ça qui doit faire palpiter le cœur du chrétien chaque jour. Ce n'est pas tout ce que nous voyons, nous prions des prières qui... Bon. Je ne sais pas réellement l'espérance que nous avons dans le cœur. Il y a beaucoup de choses dont on doit revenir, on doit nous rappeler, nous pousser, ainsi de suite. Il faut réellement qu'on nous annonce l'évangile tel que c'est dans la parole. Qu'on ne nous mente pas, qu'on ne nous prêche pas un évangile terrestre. Qu'on ne nous prêche pas un évangile, oui, même si ta vie réussit ici sur la terre et que finalement la porte du ciel est fermée. Parce qu'il y a des vierges sages, il y a des vierges folles. Vierge, ça veut dire convertir. Mais on peut être converti et être fort. On peut être converti et être sage. Et c'est ça que le Seigneur veut. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous le savons. Donc, même l'expression « rendre l'âme » que nous avons très souvent entendue, ça veut dire qu'au moment où le corps physique meurt, l'âme sort pour retourner vers le Créateur. Et c'est ce pourquoi nous devons travailler. Donc, rendre l'âme, donc ça, ce sont des versets qui nous parlent de cela. Nous souvenons de ce que Élisée, Élie, tout ça ont ressuscité des personnes et on nous parle justement de l'âme qui revient dans le corps, même la fille de Jaïrus. Quand Jésus l'a ressuscité, son âme est revenue, ça veut dire que l'âme était sortie. Et c'est ça qui s'opère au moment de la mort. Donc, ça veut dire qu'en fait, le corps physique que nous voyons, nous arrivons souvent... il y a beaucoup de choses, en fait, que si réellement la parole de Dieu habite en nous, il y a des choses face auxquelles, en fait, on ne devrait pas avoir la même émotion que quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Parce que lorsque nous avons perdu notre bien-aimé, notre proche, quand on voit le corps, bah, tout le monde rentre. C'est comme si c'est la personne qui est là. La personne n'est pas là, elle est partie. À l'instant où le souffle est parti, la personne est partie. Donc le corps, on tourne autour du corps, on fait des cérémonies autour du corps. En fait, il n'y a rien qui se passe là. C'est fini déjà. C'est à l'instant de la mort que la personne est partie. Donc, le corps, ce n'est pas la personne qui est là. On voit les gens, ils se filment sur les tombes, ils parlent avec les morts. Tout ça, c'est l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. La parole de Dieu nous dit ces choses-là.
n'y a plus rien. C'est comme un objet que tu mets là. La vie, c'est ton âme qui est à l'intérieur. C'est ça qui fait la vie. C'est ça qui fait qu'on peut communiquer avec cette personne-là. C'est pas l'enveloppe qui est là. L'enveloppe, il n'y a rien là-dedans. Et ça, ça peut nous aider, si nous sommes dans une situation, on a perdu un proche, tout ça, vraiment à trouver la force de ne pas, comment dire, par rapport à ce que nous voyons, la force de dépasser ça et d'être dans la consolation de ce que la vraie personne dont nous voyons l'enveloppe là est devenue dans la présence de Dieu. Bon. Voilà. Donc, Jésus, quand il est mort, il a rendu l'esprit. Donc, ça, ces versets-là nous montrent simplement que le vrai nous-mêmes part dans la présence de Dieu. Il y a le verset aussi sur Eutychus, lorsqu'il est mort, l'apôtre Paul dit « Son âme est revenue en lui ». Nous connaissons l'histoire d'Étienne aussi. Lorsque Étienne, son corps était lapidé sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il voit Jésus debout. Et il est rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça qui se passe pour un authentique enfant de Dieu qui a vécu pour ça. Jésus qui se lève pour l'accueillir. Entre dans ma gloire, bon et fidèle serviteur. Je pense que c'est ce pourquoi l'authentique enfant de Dieu, son cœur doit battre tous les jours pour ça, pour entendre cette parole. Tout le reste que nous avons là, ce n'est que vanité des vanités. C'est vanité des vanités. Le diable nous trompe avec tant de choses. C'est ça. C'est vanité des vanités. La vérité, c'est celle-là. Alors, donc, oui, donc ça, c'est Jésus qui était à la croix avec deux brigands. Et il y a un qui a dit à l'autre, « Ne crains-tu pas de ce que tu subis le même sort que Dieu qui est là ?» Le brigand s'est converti à la croix. Et Jésus ne lui dit pas que plus tard tu seras au paradis. Il lui dit, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. Waouh! Un authentique enfant de Dieu, le jour de sa mort, c'est le plus beau jour de sa vie. Ce n'est pas le jour où on traîne la belle robe blanche pour dire c'est le plus beau jour. Non! Le plus beau jour de la rencontre physique là avec le Sauveur, c'est pourquoi nous avons vécu. C'est ça le plus beau jour. Les gens vont se lamenter autour du corps là, mais le plus beau jour de ta vie, c'est celui-là. Si tu as vécu la vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est ça qui est le plus beau jour de ta vie. Là où tu vas entrer dans la félicité, dans la gloire du Père. Là où il n'y a plus tous les encombrements, il n'y a plus de factures, il n'y a plus de réveil le matin, il n'y a plus de tous les combats que nous avons là, tout ça c'est fini. Voilà l'espérance de l'enfant de Dieu. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Mais pour ça, il faut que rien ne nous empêche de pouvoir communier avec le Seigneur. L'apôtre Paul dit qu'il est pressé des deux côtés. Pressé. En même temps, il veut rejoindre Christ. Parce que c'est de ça. C'est ça qui est de loin le meilleur pour lui. Mais parce qu'il faut que pour un peu de temps, il reste encore. Parce que il n'est pas égoïste pour partir tout seul. Il veut, autant que Christ peut l'utiliser, amener le maximum de personnes avec lui là-bas. Mais il était bien conscient que la vie terrestre là, parfois, nous voulons que nos bien-aimés reviennent. S'ils sont vraiment dans la présence de Dieu, je pense qu'il n'y en a aucun qui va vouloir revenir ici avec nous. Aucun. Ils nous aiment beaucoup, mais ils ne reviendront pas. Ils n'accepteront pas de revenir. On se lamente, ils ne peuvent plus. Si on le réveille là, on dit, est-ce que tu veux encore vivre? Même s'il va dire, non, je ne veux plus revenir ici. Ça, c'est la vérité. C'est de loin ce qu'il y a de mieux pour l'être humain qui s'est préparé. Alors, dans ça, on peut passer. Maintenant, que font les morts en Christ? C'est ce qui nous intéresse. Les autres aussi, on va voir. Que font les morts en Christ au ciel en attendant la résurrection? Ils ne sont pas dans la fosse, on l'a déjà vu. Ils sont en train de continuer à vivre. On a vu Moïse et Élie qui sont en train de parler avec le Seigneur. C'est de loin mieux que d'être en train de te préparer
parce que ton chef va t'interroger demain. Ou bien parce que tu dois, je ne sais pas moi, rendre un travail, je ne sais pas, chacun, nous avons de multiples occupations. C'est quand même beaucoup, largement mieux. Qu'est-ce que la vie que nous avons ici pour accorder autant d'intérêt, autant d'importance? Voici déjà un premier passage. « Je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Quand il ouvrit le cinquième sceau, regardons, je vis sous l'autel les âmes, c'est ce qui sort lorsqu'on meurt, les âmes de ceux qui avaient été immolés, les martyrs qui avaient été immolés sont dans la présence de Dieu à cause du témoignage rendu. Ils sont dans le ciel. Les corps sont peut-être déchiquetés par les animaux, par tout ce que nous savons de la persécution, mais ils sont les vrais, le vrai lui-même est dans la présence de Dieu. Ils criaient d'une voix forte, dans, même les martyrs dans la présence de Dieu, ils ont une voix, ils ont un corps, ainsi de suite. Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Ils se souviennent qu'ils ont été crucifiés sur la terre. Ils n'ont pas oublié cela. Lorsque on passe de la mort à la vie éternelle, il n'y a pas un effacement de ce qu'on a vécu sur la terre. Ils se souviennent qu'ils ont été martyrisés, qu'ils sont morts par le martyr, les Étienne et tout ça. Ils se souviennent. Ils sont là-bas et ils se souviennent de cela. Dans la vie que nous vivons ici, faisons bien attention à ce que nous faisons. Alors, ensuite, il dit, une robe blanche leur fut donnée. Ils ont un corps là-bas que Dieu seul sait, qui peut prendre une robe, jusqu'à ce que fût complet le nombre de vos compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort. On leur demande de rester dans le repos. Les morts en Christ sont dans le repos, dans la présence de Dieu. Imaginons que le Seigneur permettait que les morts, que nous puissions, j'appelle mon grand-père, mon arrière-grand-père pour lui demander des choses. S'il était chrétien, est-ce qu'il peut être dans le repos? Pas du tout. Il serait dérangé pour ci, pour ça. Mais le Seigneur a prévu qu'il soit dans le repos. C'est une des raisons pour lesquelles il coupe le lien avec nous. Que nous ne venions pas avec nos problèmes terrestres troubler leur repos là-bas. Pardon. Ils sont dans le repos. Ensuite, maintenant, après cela, Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17, donc, après cela, je regardais et voici une grande foule. Ça, c'est ceux qui viennent de la grande tribulation. On va voir. Ils sont aussi dans la présence de Dieu, dans le ciel. Ça doit être un grand encouragement de savoir que ceux qui sont partis, qui nous ont dévancés, qui connaissent le Seigneur, sont dans la présence de Dieu et ils sont en train de louer Dieu tel que nous sommes en train de le voir. C'est de loin meilleur que de vouloir qu'ils reviennent ici pour continuer à courir après les bus, courir après ceci avec nous. Non, c'est de loin meilleur ça. Qu'ils soient encore dans l'angoisse, est-ce que le salaire va passer, est-ce que ceci, est-ce que... Non. Est-ce que mon fils va réussir dans la vie, est-ce que ma fille ne va pas tomber enceinte avant, est-ce que ceci, est-ce que... Non, c'est fini ça. Ils n'ont plus ces préoccupations-là. Ils ont le souci maintenant des choses éternelles. Donc, je vais passer. Donc, car l'agneau est au milieu d'eux et conduira aux sources de la vie. Donc, on va avancer. Donc, il y a plusieurs passages. Hein. Je les passe qui nous parlent des saints qui sont dans la présence de Dieu. Arrivons maintenant aux choses qui nous concernent. Pour nous qui sommes encore ici sur la terre. Soit c'est par la mort physique qu'on part, soit c'est par l'enlèvement, où il y aura la première résurrection. Nous avons chanté tout à l'heure que Christ va revenir. Nous connaissons bien le passage qui nous dit, si j'ai l'Esprit de Dieu, je ne vais pas le lire forcément, si j'ai l'Esprit de Dieu qui habite en moi, c'est cet Esprit-là qui habite en moi au moment où je meurs, qui va venir ressusciter mon corps dans la tombe. Si je continue... si je meurs avant que Christ ne vienne. Sinon, l'Esprit de Dieu qui habite en moi va faire en sorte que mon corps soit changé, la
la corruption qui est dans mon corps, qui est le péché, qui me pousse à pécher, va disparaître instantanément et j'aurai le corps glorifié. En résumé, c'est ça qui se passe au moment de l'enlèvement. Bon, je ne vais pas insister sur les versets. Nous les connaissons. Le Seigneur a dit qu'il allait nous préparer une demeure. Et quand la demeure serait prête, il reviendra. Si nous regardons tous les signes dans le monde entier, nous avons compris que le Seigneur est à la porte. Donc, il y a deux voies qui sont proches de nous. Soit nous partons par la mort physique, et soit le Seigneur revient, l'un comme l'autre, c'est la même chose. Parce que celui qui va ressusciter pour l'enlèvement, ça veut dire qu'au moment où il partait, il était prêt. Si la trompette avait sonné, au moment où il était vivant, où il est mort, à l'instant où il est mort, là, il sera enlevé. Donc, en fait, ça nous amène à une veille permanente, quotidienne, d'être constamment prêt pour l'un ou l'autre de ces deux départs. C'est important. D'ailleurs, c'est le centre de ma vie chrétienne. Sinon, en fait, je vis, j'avance dans le Seigneur en perdant le but. Ce pourquoi nous devons réellement, comment dire, nous consacrer au Seigneur. On a perdu la vision, le but pour lequel nous faisons tout cela. Si quand je me lève chez moi pour aller à la communion fraternelle, j'ai cette réalité-là, ça transforme totalement la manière dont je vais prendre la chose. C'est parce que nous avons baissé la tête, nous avons oublié le ciel et nous regardons aux choses terrestres. L'enlèvement de l'église, la trompette va sonner ainsi de suite. On connaît, c'est devenu une chanson pour nous. Mais c'est une réalité qui va se produire à un instant donné, que le Seigneur connaît. Chantons, mais préparons-nous encore mieux. La trompette va sonner, le corps va être transformé, c'est ce que je disais tout à l'heure, et l'immortalité viendra dans nos corps. Donc, il y a aussi ceux qui sont dans le ciel qui vont ressusciter à un moment donné. L'enlèvement va se produire et ceux qui sont dans le ciel vont également ressusciter. Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6 nous en parle. Donc, je nous laisserai lire ça tranquillement à la maison. Bon, voici maintenant un autre aspect qui nous concerne vraiment et c'est la partie sur laquelle le sens de notre vie chrétienne doit revenir droit. Ça, c'est une couronne qui est corruptible, et celle des anges. Et ça nous donne une petite idée. C'est vrai, nous avons accepté Christ. Nous ne serons plus jugés. Mais Dieu va examiner tout ce que nous faisons depuis que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est une réalité que nous ne devons pas oublier. Dieu va examiner les motivations de nos cœurs. Il va examiner tout ce que nous faisons depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible parle du tribunal de Christ. On est enlevé, certes, on est sauvé, mais le Seigneur va revenir là-dessus depuis que tu es enfant de Dieu. Quel est le fruit que ta vie porte pour le royaume de Dieu? Est-ce que c'est un salut égoïste pour toi? Ou c'est tu réalises vraiment que ce que tu as, c'est la chose la plus grande et tu vis pour que d'autres l'aient aussi. Voilà le verset, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, car il nous faut, l'apôtre Paul parle à ceux qui sont en Christ, comparaître devant le tribunal de Dieu. Ce n'est pas pour être condamné, mais c'est pour que Dieu examine tout ce que nous avons fait afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il a fait étant dans notre corps, le corps que nous avons là. Le Seigneur parle aussi, il dit ici, voici Apocalypse 20, verset 12, « Je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Donc, il y aura des rétributions avec lesquelles le Seigneur va arriver. Hébreux chapitre 10, verset 30, « Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu jugera pas les païens, il dit, il jugera son peuple. » Donc, il y aura un moment où il va falloir exposer
ce que nous avons fait, non pas devant le frère Jesse, mais devant le Seigneur, le juste juge pour lequel il a donné sa vie. Mets-toi, verset Romains 14, verset 10 à 12, mets-toi, pourquoi juges-tu ton frère ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Nous tous, nous allons amener ces œuvres-là. Tout ce que nous faisons en bien, en mal, connaissant, que les gens connaissent ou qui sont en dessous, ainsi de suite, tout ça viendra à la lumière devant le Seigneur un jour. Et c'est important de ne pas oublier cette vision-là, où nous serons exposés tout nus devant le Seigneur, pas nus physiquement, mais nus par nos œuvres. La Bible parle du fin lin des saints qui sont les bonnes œuvres. C'est ça qui va nous recouvrir devant le Seigneur. Ou si nous n'en avons pas, ça nous laissera nus. Est-ce que ma vie en Christ porte du fruit ou est-ce qu'elle est stérile? Ce sont des questions que je dois me poser parce que ça, c'est la réalité du but de la vie chrétienne. Si je me marie, c'est bien. Si j'ai un enfant, c'est bien. Si j'ai un travail, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est ça le but finalement? Est-ce que c'est ça le but pour lequel Christ est mort à la croix pour nous? Alors, donc, je vais passer. C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi. C'est Jésus qui donne la parabole. Qui voulut faire rendre compte à des serviteurs. Donc nous aurons des comptes à rendre par rapport à notre vie chrétienne. Le Seigneur nous prévient de ça. Nous aurons des comptes à lui rendre. Alors expliquer pourquoi nous avons fait ça comme ça, pourquoi nous n'avons pas fait ceci, pourquoi ainsi de suite, il y aura un moment où il y aura des comptes à rendre par rapport à cela. Si nous étions conscients de cela, nous devions vivre différemment dans l'Église. Parce que nous vivons comme si ces choses-là ne devraient jamais arriver. Comme si on est là, juste là, comme ça, entre amis, et puis ça va se terminer là. La trompette va sonner, on va monter, et puis les choses vont s'arrêter là. Non, si on a le temps de descendre un peu, nous allons voir que la vie chrétienne est une vie où le Seigneur a tracé un plan. Nous devons marcher là-dedans, et il va venir voir si nous avons marché là-dedans. Ce n'est pas « je suis sauvé », et puis c'est fini. J'attends que la tempête sonne et puis je vais partir. Non, ça déjà, en fait, on peut se questionner, est-ce que c'est réellement Christ qui habite en nous? Regardons l'apôtre Paul quand il s'est converti sur le chemin de Damas. Sa vie, le fait qu'il ait eu une vraie rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, mais toute son existence a radicalement changé. Le sens de sa vie, ce à quoi il donnait la priorité, ça a totalement changé, complètement, parce qu'il y avait une authentique rencontre avec le Seigneur. La vraie rencontre avec Dieu produit un changement radical dans sa vie. C'est vrai que l'enseignement est là pour nous ouvrir les yeux davantage, mais la semence même de Christ que nous avons reçu en nous commence à produire des fruits là, immédiatement. Et c'est ça qui atteste de la semence qui est à l'intérieur de nous. Si on nous a donné un évangile comme ça à l'eau de revenir à Christ, là on est content, vite fait, là tu viens, tu ne sais même pas ce que tu as accepté, on te plonge dans les eaux du baptême, tu sors, tu continues à vivre comme tu étais. Non, ça n'amène pas au ciel. Ne mentons pas. Ça n'amène pas au ciel. Alors, avançons. Donc, longtemps après, le maître fit rendre des comptes. Si vous voulez noter les versets, il y a tous les versets. Voilà un verset qui nous dit que nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tous sont nus. Je l'ai dit tout à l'heure, voilà le verset qui le précise. Mais tous sont nus et découverts aux yeux de celui devant qui nous devons rendre des comptes. Au Seigneur. Donc, 1 Corinthiens chapitre 4 également parle de cela. Pour moi, peu m'importe, voilà l'apôtre dont je parlais, ou d'être jugé par un tribunal humain, je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Donc, c'était par rapport à une histoire dans l'Église. Mais ce n'est pas parce que je suis justifié.
pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Nous vivons souvent comme ça, une vie double dans l'Église. On a une vie en dehors, on a une présentation devant l'Église et nous pensons que ça, comme ça, là, nous allons, la trompette va sonner, nous allons partir. Parce que nous sommes là parmi les saints. Non, le Seigneur, il ne vient pas enlever, il vient là dans une assemblée. Ah oui, parce qu'il y a des chrétiens là-bas, il vient prendre tout le monde. Il vient, non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Au vierge sage, qu'est-ce qu'il dit? Dehors, la raison pour laquelle il le met dehors, il dit, je ne vous ai jamais connu. Adam connut Ève, sa femme, et ils eurent un fils Caïn. Ils ont une intimité. Nous n'avons pas d'intimité ensemble. Ton intimité avec le Seigneur, c'est quand tu es là dans la communion fraternelle, après c'est fini. Dimanche prochain, tu reviens encore. Il y a un frère qui prêchait l'évangile. Il dit qu'il était en Suisse, en train de prêcher dans une assemblée. Il prêche, il prêche, il prêche. À la fin, quand il est en train de sortir, il voit les bien-aimés qui sortent de la salle de réunion. Chacun pose sa Bible dans un casier. Chacun pose sa Bible pour prendre le dimanche d'après. Ben, il leur pose la question, vous n'avez pas besoin de ça dans la semaine? Il était ébahi. Chacun posait sa Bible dans son casier. Vous voyez, souvent, il y a souvent des tables bancs là, comme ça, avec des cantiques. Chacun mettait sa Bible là. Naturellement, lui, il était effrayé de voir ça. Chacun mettait son... Dimanche prochain, ben, je reviens, c'est toujours là, je reprends. Et puis... Pourtant, le mode de vie de chaque instant de la vie de quelqu'un est là-dedans. Voilà, on a parlé d'examiner les œuvres. Dieu va examiner les œuvres des saints. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Le Seigneur va peser, nous dit Samuel, 1 Samuel chapitre 2. Il dit ici, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions des hommes. Il viendra un moment où le Seigneur va peser toutes les actions des hommes. Le Seigneur dit que celui qui est injuste soit encore injuste dans le livre de l'Apocalypse, que celui qui se souille encore. Voici, je viens avec mes rétributions. Donc, tu es libre de faire ce que tu veux, mais sache que le Seigneur revient. Il revient pour examiner ce que tu fais. Mais il ne va pas te forcer et te dire, hey, il te le dit par son esprit, mais il ne va pas te forcer à obéir à la vérité. Parce que ce que tu entends est largement suffisant. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15, nous parle en fait de faire attention, l'apôtre dit qu'il a posé un fondement, de faire attention à la manière dont nous bâtissons dessus. Parce que l'œuvre de chacun va être examinée, va être manifestée devant le Seigneur. Il y a des œuvres qui vont être consumées, nous dit la parole. Dans ce passage-là, je peux louer le Seigneur, je peux adorer le Seigneur, je peux prier du matin au soir, mais si les motivations de ça sont impures devant le Seigneur, en fait, ça va être consumé. Si je fais ça pour impressionner les frères et sœurs, c'est ça qui est ma rétribution, ça va s'arrêter là. Je peux penser que je crains tellement Dieu, ainsi de suite. Mais quand Dieu va tamiser cette œuvre-là, qu'est-ce qui va rester de ça? Qu'est-ce qui restera de cela? Est-ce que Dieu pourra attester? Voilà pourquoi la Bible nous dit, je crois que c'est dans Romains 2, que le véritable juif, on parle des juifs en Christ, des véritables enfants de Dieu, c'est celui dont la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. C'est celui dont la louange vient de Dieu. Parce que Dieu a examiné ses œuvres et ses œuvres sont authentiques, ses œuvres sont pures devant lui. Donc, c'est 1 Corinthiens 3 qui parle de cela. Voilà des exemples ici. Matthieu 6, 1 à 5. Je parlais de ça. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes.
C'est pour que les hommes voient que je suis très juste pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès du Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu donnes ton aumône, ne sonne pas la trompette comme font les hypocrites dans les synagogues. Est-ce que quand je fais quelque chose, c'est pour attirer le regard des autres sur moi? Ou bien c'est pour que le cœur du Père soit réjoui? Qu'est-ce qui motive ça? L'action que je suis en train de poser. Il viendra un moment où Christ va examiner ça. Et il faut que je m'en souvienne. Ce qui peut réjouir le cœur des gens et dire « Ah ouais, le frère, la sœur, elle est spirituelle et tout. » Le Seigneur peut consumer tout ça. Ça n'a pas de sens pour moi. Dans une assemblée, les gens étaient en train de louer Dieu, ainsi de suite. Beaucoup de musique, tapage, ainsi de suite. Et il y a un frère qui a une vision, qui partage avec l'assemblée. Et le frère dit qu'il entendait dans le ciel la voix de la louange qui montait au Seigneur, mais il n'y avait qu'une petite voix, la voix d'un enfant que le Seigneur entendait. Pourtant, il y avait un vacarme dans l'assemblée. Mais c'est juste un enfant dans l'assemblée dont la voix a monté jusqu'au ciel. Tout le reste, là, ça tapait au plafond, ça descendait. C'est avec quelle vie que je fais cette louange-là? C'est ma vie d'abord qui est une louange pour Dieu. C'est ma vie qui est le sacerdoce pour le Seigneur. Comme les hypocrites. Voilà. Donc, qui donne, que quand tu donnes de la main droite, que la gauche ne regarde pas, afin que ton aumône se fasse en secret et que ton Père, dans le secret, le voit dans le secret et te le rendra. Ce que nous aimons bien simplement la place du frère qui vient se mettre devant les gens et qui prêche, qui a la lumière. C'est ça qui intéresse les gens aujourd'hui. C'est l'homme de Dieu, ainsi de suite. D'ailleurs, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté du Père. Celui qui cherche à faire la volonté de Dieu, c'est lui qui entre dans la présence du Seigneur. Hypocrite, vous priez debout devant les synagogues. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Parce que les longues prières, c'est simplement pour impressionner. Je parle de ce que nous sommes en train de lire là. Ça parle des motivations de nos cœurs qui viendront, que le Seigneur va peser. Tandis que cela, Philippiens 1, verset 17, tandis que cela, animé d'un esprit de dispute, annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec une pensée de susciter quelques tribulations dans mes liens. On voit les motivations ici. Même annoncer Christ, est-ce que cela, c'est pour des motifs purs que nous le faisons? Ou bien c'est pour gagner la sympathie des frères, des sœurs, ainsi de suite. Luc 6, 34-35. Si et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir pareil. Donc, en fait, ici, ça nous montre simplement qu'il doit avoir une différence, déjà dans les motivations, d'une œuvre qu'un saint fait. C'est-à-dire que un païen, par exemple, je prends un exemple, un païen porte aussi assistance, comme tout le monde. Il porte assistance à son prochain, mais les motivations ne sont pas les mêmes. Pas pareil, ils font pareil. C'est pas du tout la même chose que lorsque un saint vient poser un acte auprès de quelqu'un. Vient faire une œuvre de bienfaisance devant quelqu'un. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que si le païen fait la même chose, en fait, vous êtes égaux. Je prête à celui qui peut aussi me rendre, ainsi de suite. Et je crois que c'est Matthieu 5 qui parle de ça. Vendez ce que vous possédez, donnez de l'aumône, faites-vous des bourses, où ça? Dans le ciel, pas sur la terre.
Faites-vous des bourses dans le ciel, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point. Et ça, c'est souvent des œuvres que les gens ne savent pas. C'est ce que tu fais dans le secret avec le Seigneur. C'est ça qui a du prix pour Dieu. Là où il n'y a pas les projecteurs, là, ce que tu fais en dehors, là. Alors, continuons. Dans, lorsque tu donnes un festin, c'est un exemple. Il dit, tu invites quelqu'un qui va t'inviter demain. C'est une image que le Seigneur donne. En fait, ta récompense, ça sera qu'il va t'inviter en retour. Il dit, si tu fais ton festin, invite ceux qui ne pourront pas t'inviter un jour. C'est là que ta récompense, parce que ça montre ta motivation. C'est une œuvre où tu n'attends rien. Voilà, en fait, ce qu'il met en lumière, c'est le fait de faire des choses de manière intéressée. Ça, c'est consumé. Quand on voit, c'est une bonne œuvre. Mais le fait que c'est motivé par un intérêt fait en sorte que Christ y consume ça. Ça n'a pas de valeur pour lui. Parce que j'attends quelque chose en retour, humainement. Nous devons avoir nous devons avoir un cœur désintéressé vis-à-vis de notre prochain. Nous connaissons bien le passage de Matthieu 25 qui nous dit « Alors, ceux qui étaient à sa droite, venez, vous qui êtes bénis du Père, c'est Jésus qui est en train de juger, prenez possession du royaume, qui a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » On pense que être chrétien, c'est juste je prie du matin au soir, je loue le Seigneur. Ça, c'est la préparation pour aller vivre pour Christ, poser des actes concrets. La foi, ce n'est pas seulement parler. Ce sont les actes concrets que tu poses qui, en fait, montrent la semence que tu as en toi. Si je dis seulement à mon frère, c'est dans la parole, je t'aime. Et ça, c'est limite là. Le frère a besoin d'assistance, la sœur a besoin. Et je lui donne des versets, je m'arrête là. En fait, ça montre que j'ai une foi théorique. Il n'y a pas la vie là-dedans. Le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Il doit avoir la vie là-dedans. Celui qui grandit en Christ réellement, on doit voir dans les actes, les œuvres qu'il porte. On doit voir déjà des œuvres. Et ce sont les œuvres que Christ a préparées d'avance pour qu'il les pratique. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'enseigne. Ce n'est pas on va dire, bon, demain, on va aller rendre visite à la sœur un tel. C'est bien, ce n'est pas un problème. Mais si tu fais ça juste parce qu'on a donné l'ordre à l'Église de le faire, en fait, ça n'a pas de valeur. C'est un besoin que tu dois ressentir naturellement dans ton cœur. Parce que tu as reçu le cœur de Dieu et que tu te soucies des autres. C'est ça qui va t'animer, qui va te porter à poser ces actes-là. Et c'est ça qui restera. Lorsque Christ va l'examiner dans le tribunal dont on parle là, c'est ça qui restera. Parce que tu as eu ce souci-là. Ce n'est pas que tu es en train d'obéir à un ordre que les frères... Ce n'est pas mauvais, il faut obéir. Mais ça doit nous apprendre que nous devons y penser naturellement, nous-mêmes, à poser ces actes-là. Parce que les actes, les œuvres que Christ a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui nous le révèle. Lorsque tu désires réellement servir le Seigneur et que tu as disposé ta vie pour le faire, en fait, le Seigneur ouvre tes yeux sur les besoins dans l'Église, dans le corps de Christ, les uns et les autres. Pourquoi il y a tant de désordre dans le corps de Christ? Celui-là, il était mal habillé. On a trop à faire sur ces détails-là parce que nos yeux sont fermés sur ce que Christ attend. Nous sommes intéressés par des futilités. Nous sommes occupés et préoccupés par des choses qui n'ont pas de valeur. Parce que nos yeux sont fermés sur ce que Christ... C'est pour ça qu'on s'ennuie. On s'ennuie dans la vie chrétienne. Lui, là, tu as le temps de prendre ton téléphone et d'appeler l'autre pour lui dire, tu as vu comment tel a fait ceci, le commérage, tout ça. Moi, j'aimerais souvent que ma journée ait 48 heures. Parce que quand je vois ce qu'il y a à faire, je dis, mais il faut deux vies pour faire ça. Parce que tu te disposes. En fait, c'est une question de disposition.
si tu veux un peu, Dieu te donnera un peu, il ne te force pas. Mais l'authentique enfant de Dieu qui a reçu Christ, Christ t'ouvre les yeux. Il te dit, maintenant que tu es disciple, maintenant que tu as mon esprit, et regarde tout ce qu'il y a à faire. Jésus n'est plus là pour le faire. Et ce n'est pas une question d'avoir beaucoup de connaissances. Le peu que tu as, la parabole des talents, celui à qui on a reproché, ce n'est pas celui qui avait 5 talents, c'est celui qui en avait 1. Le seul que tu as déjà là, est-ce que tu as déjà commencé à l'utiliser? Moi, je ne sais rien faire. Je sais seulement préparer. Tu prépares, tu invites le voisin, tu lui donnes à manger, tu lui parles de Christ. Il y a une femme qui gagnait des âmes comme ça à Christ. Simple, je ne sais faire que ça. Déjà, le seul que j'ai là, je fais déjà avec ça. Ce n'est pas quand je vais parler en langue, je vais faire ceci, je vais commencer à servir Dieu. Non, le peu que j'ai déjà. Et c'est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qui arrive naturellement. Quand on a réellement rencontré Christ, c'est quelque chose qui bout en toi de manière naturelle. Comme un enfant. Un enfant, vous le laissez là, vous allez voir, il va commencer à jouer là. Personne ne lui a dit de jouer. Parce que dans son ADN, à l'intérieur de lui, c'est comme ça qu'il doit réagir. Quand tu as reçu Christ, quand tu as la vraie semence, l'Esprit de Dieu, en fait, l'Esprit de Dieu, ses yeux sont ouverts sur ce qu'il y a à faire et il commence à le faire, naturellement. Tout ça, ce sont des tests. Est-ce que réellement c'est Christ qui vit en nous? Ou est-ce que nous avons reçu un Christ intellectuel dans nos têtes et ce n'est pas descendu pour, en fait, transformer nos cœurs? C'est pour ça qu'on voit tant de choses dans l'Église qui attristent le cœur du Seigneur. Les choses qu'on voit dans le monde, on les revoit dans l'Église. Les commérages, les jalousies, les ceci, les cela. Si tu commences seulement, on parlait tout à l'heure de l'homme riche qui se trouve dans le séjour des morts et qui demande d'envoyer Lazare pour aller parler à ses frères. Si tu ouvres seulement les yeux, tu regardes dans ta famille, ta propre famille de chair, là où tu es sorti, les gens qui ne sont pas convertis, tout le travail que ça te demande dans la prière, est-ce que tu auras le temps pour commencer à appeler un X, Y pour parler des choses qui ne t'avancent pas? Tu auras ce temps-là? Quand tu regardes tes collègues qui sont là, on parle du lac de feu. Tu regardes tes voisins qui sont là. En critiquant le frère qui n'a pas fait ci, qui n'a pas fait ça, tu as passé combien de minutes dans la prière pour lui? On s'ennuie, on tourne en rond. C'est pour ça qu'on se bouscule les uns les autres. Parce que, en fait, si chacun voulait faire ce que Christ attend de lui, mais je vous assure qu'on n'aurait pas le temps. Regardons l'Église primitive. Quand ils se retrouvaient, ils louaient le Seigneur. Après, ils étaient dehors pour réaliser ce pourquoi Dieu les a sauvés. C'est ça la vérité. Revoyons nos priorités en Christ. Revoyons notre marche, l'intérêt, le sens de notre vie chrétienne. Remettons ça devant le Seigneur. Il nous parle de ce qui va passer en examen devant lui. Si nous devons passer un examen, il est bon. Le Seigneur nous donne les sujets de savoir sur quoi est-ce qu'il va nous interroger. Il est bon de poser ça et de dire, Seigneur, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bruit dans la vie chrétienne. Je veux m'arrêter. Je veux m'arrêter pour remettre les priorités. Pourquoi est-ce que je suis un enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est l'espérance à laquelle je dois m'attendre? Je veux m'y préparer. Ça change ta vie chrétienne. Totalement. Ça change ta consécration. Ça remet les priorités même dans tes pensées. Et tu vas voir qu'il y a des déchets qui sont là dans le corps de Christ qui vont partir seuls. Parce que les gens sont conscients désormais de pourquoi ils sont en Christ. Parce qu'ils ont compris le but vraiment pour lequel Christ les a sauvés.
C'est ça le cœur même du message que nous sommes en train de partager. C'est ça le cœur, de revenir sur la priorité avec une vie que nous préparons pour le ciel. Pas pour ce qui se passe ici, là, ici-bas. Si nous sommes là, c'est pour sauver les gens. C'est pour briller pour Christ. Pas briller parce que je vais être le président de cela. On va... Non. Que la vie de Christ brille au travers de moi. Et que les gens aient envie d'être un enfant de Dieu. Que je ne sois pas un contre-témoignage. Parfois, nous sommes tellement de contre-témoignages parce que souvent aussi, nous avons compris l'évangile de manière tordue que quand les gens nous voient, ils n'ont pas envie de devenir chrétiens. Ils ont même peur d'être chrétiens. Les pires méchancetés, parfois, c'est dans le corps de Christ qu'on les vit. Tu te demandes, est-ce que même les païens peuvent agir comme ça? Regarde ce qu'un frère, une sœur s'assoit pour dire sur moi alors que nous prions ensemble. Mais on pense que ça restera comme ça là, ça va s'arrêter. Si c'était ça, ça serait simple. Mais là, on nous parle du tribunal de Christ où tout ça là va venir devant le Seigneur. Comment nous allons faire? C'est vraiment important que nous soyons redressés. L'Église a été déformée. Déformée. Nous nous sommes laissés déformer. Hein. Il faut pas, on ne pose pas, on ne jette pas la pierre. Parce que tout le monde a la Bible et l'Esprit de Dieu. En lisant la Bible, en tant que disciple, je sais normalement, l'Esprit de Dieu m'enseigne déjà sur ce que Dieu attend de moi. Si je travaillais déjà à crucifier ma chair, juste ce travail-là, je n'ai pas le temps d'autre chose. Juste dire que je porte ma croix tous les jours. Je n'ai pas le temps de parler d'ici. Je n'ai pas ce temps-là. Quand je me regarde seulement, je regarde tous les défauts qui sont encore en moi. Parce que quand je lis la parole, je sais ce que Christ attend de moi. Et je regarde comment je suis. Je comprends qu'il y a du travail encore dans ma vie. Donc, si je veux laisser Christ commencer à faire, je n'ai pas le temps d'autre chose. J'ai pas le temps pour tout ce qu'on voit, le cœur des enfants de Dieu, ça donne à tout le trouble, le désordre que l'on voit. Il n'y a pas le temps pour ça. Si réellement, quand je chante que Christ revient, je réalise ce que je suis en train de dire, en fait, j'ai pas le temps pour les autres choses. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre l'œuvre de la croix, le prix qu'il a payé et d'avoir une vision éternelle et céleste des choses. Ça, c'est vraiment capital. Mais pas aujourd'hui seulement. La persévérance, même si on continue à lire les versets, notre persévérance viendra devant le Seigneur. Nous lisons les conclusions de toutes les lettres aux sept églises. Qu'est-ce que le Seigneur dit? À celui qui vaincra, je lui donnerai ceci. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il aura ceci. Donc, ça veut dire qu'il y a un combat à mener avec le Seigneur, bien sûr, avec l'aide du Seigneur, et vaincre dans ce combat-là. Il faut aller jusqu'au bout de ce combat avec le Seigneur. Donc, si déjà je ne prends pas le temps de renouveler mes armes quotidiennement, de me préparer à ce combat, en fait, déjà, soit je ne vais même pas mener le bon combat déjà, je vais donner la priorité à ce qui n'est pas la priorité de Christ dans ma vie. Et la fin, on a vu comment ça se termine. Donc, je dois revenir devant le Seigneur. Je vais partir directement sur la conclusion parce que je vois que c'est là où le Seigneur veut nous amener.
Alors, on peut citer quelques œuvres qui sont mentionnées lors du jugement devant le Seigneur. Il y a des choses qui sont écrites dans le livre des œuvres. C'est pas ça. Alors, pour faire partir des justes devant le Seigneur, je vais partir sur ça. Pour compter parmi les justes devant le Seigneur, il est écrit dans Actes chapitre 2, versets 37 à 42, après avoir entendu ça, c'est ce que l'apôtre Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux apôtres, « Frères, que ferons-nous ? Il ne faudrait pas que mon cœur ait été vivement touché simplement le jour où je me suis converti. Mais la parole de Dieu doit continuer à me toucher durant tout mon cheminement, jusqu'à la fin. Sinon, je dois m'arrêter et dire, Seigneur, mes oreilles se sont peut-être bouchées spirituellement. Il faut que je les ouvre pour continuer à entendre de nouveau ta voix. Ils eurent le cœur vivement touché par la parole du Seigneur. Pierre leur dit, au verset 38, « Repentez-vous », c'est-à-dire, on a parlé de faire un demi-tour complet, se repentir totalement, et que chacun de vous soit baptisé, comme Jésus-Christ qui est le modèle, le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas les gouttes d'eau sur la tête. On te plonge la mort et la résurrection en Christ. Il faut déjà faire les choses bien dès le commencement. Donc ensuite, repentez-vous et le don du Saint-Esprit viendra justement pour nous conduire dans ce dont nous étions en train de parler, dans les œuvres de que Christ et à préparer d'avance pour nous et dans le perfectionnement en Christ. Ensuite, maintenant, et par plusieurs paroles, il les exhortait à se séparer. Il y a toujours la notion de se séparer du monde dans la sanctification. Ça, c'est déjà la base pour être sur le chemin. Il faut commencer par la véritable base. Quand Jésus parle avec Nicodème, il lui dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux même pas voir le royaume des cieux. Il faut être sûr de sa réelle conversion. Que je suis réellement né de nouveau. Être né de nouveau, nous avons dit tout à l'heure, il y a une manifestation de la vie nouvelle. 1 Jean chapitre 3, versets 9 à 10 le dit. Il dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Christ, qui est la parole de Dieu, gardée par l'Esprit de Dieu, habite en lui. Il ne pêche pas volontairement. Le péché, c'est un accident dans sa vie. Et quand l'accident se produit, il est troublé à l'intérieur de lui. C'est ça qui prouve qu'il est un enfant de Dieu. Le verset 10, juste en dessous, dit « C'est par là qu'on distingue les enfants de Dieu des enfants du diable. » C'est ce qui est écrit. Hein? C'est l'attitude que j'ai lorsque j'ai péché. C'est ça qui atteste si réellement Christ habite en moi ou s'il n'habite pas. Parce que l'Esprit de Dieu en moi, lorsque j'ai fait ce qui n'est pas agréable à Dieu, ça triste et ça m'attriste aussi. C'est ça le test que je suis un enfant de Dieu. Dans la réelle conversion, déjà, je commence par là. Donc c'est ça, c'est le verset que je citais là, dans Jean chapitre 3, le baptême ensuite. Et ensuite, vivre dans la paix et dans la sanctification. Il dit, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, si je dis que j'attends le Seigneur, si je dis que
Jésus revient bientôt. Ma vie, c'est comme ça qu'elle doit être réglée. Centrée sur le ciel. Centrée sur le ciel, mais en étant sur la terre. Parce que les œuvres que l'Esprit de Dieu qui habite en moi vont me produire ne se produisent pas dans le ciel. Elles sont concrètes sur la terre. Et c'est ça qui touche les gens qui sont autour de moi. Et qui fait en sorte que ma présence sur la terre est encore utile. Parce que ma vie produit du fruit. Parce que ma vie est agréable à Dieu. Parce que ma vie amène des âmes à Christ. Est-ce que tu es un témoin dans ta famille? Ta famille de chair. Souvent, je prenais des exemples simples avec les frères. Simples. Souvent, on pense que être un enfant de Dieu, c'est avoir un niveau de spiritualité que personne ne te comprend plus sur la terre. Christ était là, il était avec les prostituées, il était avec les hommes de mauvaise vie, les collecteurs d'impôts, il était avec tout le monde et il manifestait la vie. On voyait la lumière, on voyait qu'il était différent des autres. Ce n'est pas en allant te cacher tous les jours dans ta chambre et en priant du soir au matin que ta famille va être sauvée. Parfois, le Seigneur va t'envoyer au milieu d'eux pour qu'on voit comment tu as été transformé. Et ce n'est pas en les... Tu ne seras pas en train de les juger par ta parole. Ta vie, ce sont les meilleurs témoins du changement dans ta vie. Ceux qui, avec qui tu as vécu, tu as grandi. Des choses simples. Souvent, je disais aux frères, bon, pour la plupart de nous, un exemple basique, simple. Je disais aux frères, on fait une cotisation, par exemple, dans ta famille. On doit soutenir quelqu'un qui est malade ou tout ça. Les frères païens, ils cotisent avant toi. Et toi, tu ne contribues rien parce que tu es trop spirituel. On ne peut pas te payer. Ce sont des choses basiques. Est-ce que tes parents, les membres de ta famille, peuvent te faire confiance? L'argent. Je donnais une fois le témoignage. Quand ma maman devait partir, j'ai 5 frères. Je suis l'avant-dernier. Quand elle sentait qu'elle devait partir, elle a pris son téléphone, elle a appelé. Elle dit, ma carte bleue est à tel endroit. Tu arrives, tu prends et tu gères ce qu'il y aura à gérer. Pourquoi c'est l'un de ces derniers à qui elle fait cette confiance-là? L'argent, c'est quoi l'argent? C'est sur des choses simples comme ça que l'on voit la différence. Des choses simples, basiques, où on voit qu'un enfant de Dieu est réglé dans sa marche. C'est ça qui touche la famille. Ce n'est pas beaucoup de versets avec lesquels on va venir chanter dans les oreilles des gens. Tu chantes des versets, ce n'est pas mauvais. Mais si ce qu'on voit de toi ne témoigne pas de la différence. En fait, ça veut dire que, en fait, Christ n'a pas accompli ce pour quoi il t'a sauvé. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre, après quoi viendra la fin. Voilà le travail que le Seigneur attend de nous. Au milieu de tes collègues, comment tu te comportes? Est-ce qu'on peut savoir que tu es différent, tes camarades de classe? Pas seulement parce que tu parles de Jésus. Jésus, c'est bien dans la bouche. Est-ce que tes œuvres, les actes que tu poses, ta manière de parler, est-ce que ça atteste que Christ est en toi? Est-ce que ça rend témoignage de Jésus? Ce sont toutes ces choses-là simples. Au milieu des frères et sœurs, c'est facile d'être chrétien. Mais lorsque je suis en dehors, lorsque je suis confronté à des situations dans la vie où on vient, on m'engueule comme ça, est-ce que je vais commencer à engueuler aussi ou quelqu'un passe, il voit comment je crie, j'engueule aussi?
comme quelqu'un qui n'a pas Christ. Mais en même temps, c'est toi qui évangélises la voisine, le voisin, et c'est, tu fais comme lui. Est-ce que c'est ça que Dieu attend de nous? Ce sont des choses simples. La vie. Christ, manifester Christ partout où nous sommes. Parce que le Seigneur va faire... il y a un moment où tout cela doit être examiné par Dieu. Donc vraiment, si quelqu'un pense qu'il n'est pas sur le droit chemin, qu'il est rentre, on peut prier. Les gens peuvent s'approcher. On va prier. C'est une chose. Mais il faut que dans le fond de ton cœur, que tu aies pris cette décision d'être vrai et sérieux avec Christ. D'être authentique dans la vérité avec ton Seigneur qui voit dans le secret la manière dont tu vis. C'est ça qui est le plus de tout ce que nous avons dit aujourd'hui. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que réellement, quand je me tourne, c'est depuis 2013, c'est depuis 2015, c'est moi depuis 2008 que j'ai accepté Christ. Quand je me tourne, je regarde ma vie depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est une vie qui glorifie Christ? Est-ce que ça vaut le sacrifice que Christ a fait pour moi à la croix? Est-ce que réellement, quand je dis que j'attends Christ, est-ce que c'est la réalité de ma vie quotidienne? Que je sorte des faux semblants avec le Seigneur. Que je laisse les faux semblants de côté. Parce que ce dont on parle là, c'est un message qui est individuel, c'est pour chacun. Dieu sait pourquoi il veut que nous parlions de ça maintenant. Peut-être nous n'aurons pas l'occasion de réentendre ce qu'on a entendu là. C'est une révision de l'évangile. C'est la révision. Moi, je ne pense pas qu'on ait appris quelque chose de nouveau. C'est la révision de l'évangile. Recentrer les bonnes priorités. Là où je vais. Ce que le Seigneur attend de moi. Examiner ce que j'ai déjà fait. Est-ce que je suis toujours sur le chemin? Est-ce que je me suis écarté? Est-ce que... Que le Seigneur nous aide, moi le premier, à ne pas perdre la priorité. À vivre vraiment pour que le Seigneur soit glorifié au quotidien, dans nos vies. Ce n'est pas parce que je suis tombé aujourd'hui que je dois rester par terre. Ce que le Seigneur veut, c'est me tenir la main, lève-toi et continue le chemin. Que lorsque la trompette va sonner, que nous puissions partir dans sa présence. Lorsque je te reprends par la mort, que comme Étienne, tu puisses voir le Seigneur. C'est ça que Dieu veut. C'est pour ça que Christ est descendu mourir à la croix. Sinon, il n'y avait pas besoin qu'il vienne pour ça. Donc, nous allons prier. Si quelqu'un veut en particulier qu'on prie, c'est libre. Hein? Vous venez, on va prier. Mais le plus important, comme je disais, c'est vraiment l'introspection personnelle. C'est l'examen de s'arrêter et de dire où est-ce que j'en suis avec le Seigneur. Est-ce que je suis authentique? Est-ce que je suis vrai? Est-ce que si le Seigneur examine ma vie, lui tout seul qui connaît tout, qu'est-ce que le Seigneur va rejeter de côté? Est-ce que je l'ai rencontré réellement dès le départ? Est-ce que je le suis toujours aujourd'hui? Quelles sont les priorités dans ma vie? Ce pourquoi mon cœur bat, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que le reste de ce que nous avons à faire ici de manière terrestre doit être balayé. Non, au contraire, nous témoignons Christ aussi au travers de ça en étant correct, ainsi de suite. Et c'est ça d'ailleurs qui met la foi en vie de manière concrète. Donc vraiment que chacun de nous, moi le premier, puissions examiner notre vie devant le Seigneur
le laisser sonder nos vies, nos cœurs, notre marche avec lui. Et de nous poser la question, depuis que je suis sauvé, est-ce que réellement, si j'avais laissé Christ travailler en moi, est-ce que c'est à ce stade-ci de ma croissance spirituelle que je devrais normalement être? Est-ce que je ne devrais pas être plus loin? Est-ce que Christ, avec ce qu'il a déposé en moi, n'en attendait pas plus? Ne pourrait pas rendre cela possible? Est-ce que c'est moi qui ai freiné à un moment donné parce que je n'ai pas voulu que Christ aille plus loin? Travailler plus profondément dans ma vie, dans mon cœur. Est-ce que j'ai dit stop, Seigneur, n'avance pas ici. Ici, c'est mon jardin secret. Je ne veux pas que tu rentres là-dedans. Est-ce que c'est ce que j'ai fait, même si je ne l'ai pas avoué? Est-ce que dans la manière dont j'avance, ce n'est pas ce que j'ai fait? Mis un blocage à Christ. Le Seigneur se tient à la porte. Il frappe. Il dit celui qui entend et qui ouvre. Il ne frappe pas, il enfonce la porte. Non, il frappe et il attend. Celui qui entend sa voix et qui ouvre, il entre et il soupe. Souper avec lui, c'est la notion d'intimité. Ce n'est pas tout le monde qui entre ici pour manger, c'est ceux qui sont intimes. Donc vraiment que le Seigneur nous aide vraiment à garder ce rappel-là dans nos cœurs. Et que nous ne courions plus après les vanités. Que nous ne mettions plus notre énergie sur des choses vaines. Sur des choses qui vont disparaître, qui vont être consumées, qui n'ont pas de sens. Alors que nous avons reçu ce qu'il y a de plus cher, la vérité de la parole de Dieu. La vérité de ce qui nous attend après notre départ de la terre. Ça, c'est vraiment le message essentiel qu'un être humain. Imaginons-nous les millions de païens. Imaginons-nous les personnes hautement bien placées dans cette société. Les présidents de la République, tout ça, qui vivent pour des vanités, ils ne connaissent pas la vérité. Quand leurs yeux vont se fermer, la réalité de l'éternité sera là. Ils ne connaissent pas ça, ils ne sont pas préparés à ça. Nous valons beaucoup mieux que ces gens-là que nous voyons à la télé, que nous adulons parfois, parce que nous connaissons ces choses-ci. Nous connaissons la vérité que Christ a laissée dans sa parole. Mais pourvu que nous vivions pour ça. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 13, « Tu es heureux si tu connais ces choses, pourvu que tu les pratiques. » Pourvu que tu les pratiques. Sinon, ça ne sert à rien de connaître tous les versets, tout ce que nous connaissons là, ça ne sert à rien. Si la vie ne suit pas à côté. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus.
vous dit aujourd'hui. Il est tombé afin de se relever, donc ça nous concerne tous. On va prier. Éternel, Dieu Tout-Puissant, par ce message, tu nous montres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la vie d'un homme est comme les doigts de la main, que nous sommes comme un souffle entre tes mains. Et par moments, Seigneur Dieu, nous nous détournons de l'essentiel. Nous nous détournons par des disputes inutiles, par des manques de pardon, Seigneur Dieu Tout-Puissant. On peut venir dans la maison de Dieu, on a le cœur bloqué pendant des années. Seigneur, on a perdu pour objectif le royaume. On vit dans le péché et on n'a pas la crainte de ton Saint-Nom. On a oublié et on s'est détourné de l'espérance à laquelle nous sommes oubliés. Donc, tu nous as appelés, Seigneur. Seigneur, que l'on prenne conscience, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, que demain nous pouvons mourir, Seigneur. Et que comme ta parole déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce n'est ni demain, ni après-demain. C'est aujourd'hui, Seigneur, que nous avons besoin de révision. C'est aujourd'hui que nous avons besoin de nous examiner. Alors, Saint-Esprit, rentre dans nos cœurs maintenant. Fais le travail maintenant dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Que nous nous examinons, Seigneur. Si l'orgueil est rentré dans nos cœurs, que tu nous pardonnes, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Si l'amour du monde, l'amour de l'argent, la convoitise, les querelles, les disputes, le manque de pardon, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les animosités, les tenues impudiques, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur mon Dieu. Si, Seigneur mon Dieu, elles ont taché nos robes, Seigneur mon Dieu, que ton sang nous purifie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que le sang de Jésus, Seigneur mon Dieu, lave nos cœurs, lave nos consciences. Seigneur, délivre-nous de l'amour du monde. Délivre-nous de la pression du péché.
Seigneur, je prie pour une sœur, Seigneur, en ce lieu, maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, Dieu de gloire, Seigneur. Oh, Seigneur. Que ta puissance, Seigneur, mon Dieu, que l'onction de l'Esprit brise la puissance du péché Amen. Dans la vie de cette sœur. Amen. Qui est coincée dans un péché, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton onction brise, Seigneur mon Dieu, le joug du péché, Seigneur Amen. Dieu Tout-Puissant, afin que tu rendes libre, Seigneur Dieu. Et que le règne des ténèbres soit fini maintenant au nom de Jésus. Amen. Le règne du péché est fini maintenant au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les portes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tes enfants ne soient plus retenus dans un péché, Seigneur. Mais qu'ils en sortent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton onction nous donne la force, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, de marcher sur le péché, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Afin de marcher par l'esprit, car ta parole déclare, je dis donc marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Seigneur, nous voulons marcher par l'esprit, vivre par l'esprit. Ta parole déclare, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Seigneur, le péché n'a plus de pouvoir sur nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. La domination des démons, Seigneur mon Dieu, n'a plus de pouvoir sur nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous disons non, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, au péché. Nous disons non au règne des ténèbres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, éclate, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, les sépulcres dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Détruis, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, le règne des ténèbres, Tout-Puissant. Détruis l'amour du sexe, Seigneur. Alléluia. Détruis l'amour, Seigneur mon Dieu, du monde, Seigneur mon Dieu. Viens briser les chaînes, Seigneur. Alléluia. Et rends libre ton église. Rends libre tes enfants, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Afin, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Père, qu'ils marchent, Seigneur mon Dieu, en nouveauté de vie, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Seigneur, à la croix, tu as détruit la puissance du péché, Seigneur. À la croix, tu as détruit, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, le règne des ténèbres dans la vie de tes enfants, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu, être ressuscités aujourd'hui, Amen. Seigneur. Amen, Seigneur. Que le poids de la culpabilité, Seigneur mon Dieu, soit détruit, Seigneur mon Dieu, dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Que ton sang, Seigneur mon Dieu, Père, nous purifie, Seigneur mon Dieu. Purifie nos consciences, purifie nos cœurs, purifie nos corps, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, nous sommes libres, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Oh oui, la vraie part, Seigneur mon Dieu, c'est la délivrance, Seigneur mon Dieu. C'est la délivrance par rapport au péché, c'est la délivrance par rapport au monde. Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur mon Dieu, et porter du fruit, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, avoir le caractère de Christ, Seigneur mon Dieu. Que le caractère d'Adam soit détruit, Seigneur mon Dieu. Que le vieil homme, Seigneur mon Dieu, avec ses passions et ses désirs, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu, de la masturbation, de la convoitise, de la pornographie, de la drogue, de l'alcool, de l'impudicité. Délivre-nous, Seigneur mon Dieu. Gloire à toi, parce que tout est accompli, Seigneur mon Dieu, à la croix. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur mon Dieu, Tout-Puissant, parce que tu libères un de tes enfants, Seigneur. Tu détruis, Seigneur mon Dieu, le jour du péché. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom.